murènes sont des poissons marins appartenant à la famille des murénidés. Voici une description générale des murènes. Les murènes ont une apparence serpentiforme caractéristique. Elles ont un corps allongé et cylindrique, dépourvu d'écailles, recouvert d'une peau lisse et glissante. Leur taille varie selon les espèces, certaines pouvant mesurer quelques centimètres de longueur, tandis que d'autres peuvent atteindre plusieurs mètres. Les murènes présentent une grande diversité de couleurs et de motifs, allant du brun, du gris et du noir au jaune, à l'orange, au vert et même à des nuances fluorescentes. Les murènes sont principalement des habitants des eaux marines tropicales et subtropicales. Elles se retrouvent dans une variété d'habitats côtiers, tels que les récifs coralliens, les mangroves, les rochers et les fonds marins rocheux. Certaines espèces de murènes peuvent également être trouvées dans des eaux plus profondes. Comportement. Les murènes sont généralement des animaux nocturnes qui passent la majeure partie de la journée cachés dans des crevasses ou des trous de roches. Elles sont des prédateurs opportunistes et se nourrissent principalement de poissons, de crustacés et de céphalopodes. Les murènes ont une mâchoire puissante munie de dents pointues et recourbées, ce qui leur permet de saisir et de maîtriser leur proie. Adaptation. Les murènes possèdent des caractéristiques anatomiques adaptées à leur mode de vie. Leur corps élancé et flexible leur permet de se faufiler à travers les fissures étroites et les passages rocheux. Leurs yeux sont relativement petits et souvent recouverts d'une fine couche de peau, ce qui les protège des blessures lorsqu'elles sont enfouies dans leur refuge. Les murènes respirent en utilisant des branchies situées à l'arrière de leur tête, et certaines espèces peuvent également respirer de l'air grâce à un organe appelé le pharynx. Reproduction. Les murènes se reproduisent par fécondation externe. Pendant la saison de reproduction, les femelles libèrent des œufs dans l'eau, tandis que les mâles libèrent leur sperme pour les féconder. Les œufs sont ensuite laissés à la dérive dans l'eau, où ils se développent jusqu'à l'éclosion des larves. Les jeunes murènes passent par une phase larvaire pélagique avant de se trouver un habitat approprié, où elles se métamorphosent en murènes juvéniles. Les murènes jouent un rôle écologique important dans les écosystèmes marins en tant que prédateurs et proies. En tant que prédateurs, ils aident à réguler les populations de petits poissons et d'invertébrés, contribuant ainsi à l'équilibre global du réseau trophique. Ils sont également la proie de grands prédateurs comme les requins et les mérous.
Mâchoires uniques. Les murènes sont connues pour leurs mâchoires impressionnantes, qui sont équipées d'un deuxième ensemble de mâchoires appelées mâchoires pharyngées. Ces mâchoires sont situées dans la gorge et peuvent s'étendre vers l'avant pour saisir et tirer les proies plus loin dans la bouche du murène. Cette adaptation leur permet de capturer et d'avaler des proies qui pourraient être trop grosses pour tenir dans leur mâchoire principale. Espèces venimeuses. Certaines espèces de murènes, comme la murène verte, Gymnothorax funebri, possèdent des piqûres venimeuses. Ils ont des dents pointues et peuvent injecter du venin à leur proie ou à des menaces potentielles. Bien que leurs morsures puissent être douloureuses et potentiellement dangereuses pour les humains, elles ne mordent généralement que si elles sont provoquées ou menacées. Longévité et croissance. Les murènes ont une durée de vie relativement longue par rapport à de nombreuses autres espèces de poissons. Certaines espèces plus grandes peuvent vivre jusqu'à 30 ans ou plus. Leur taux de croissance est lent et ils atteignent la maturité sexuelle à des âges différents selon les espèces. Le taux de croissance et la taille peuvent également varier en fonction de la disponibilité de la nourriture et des conditions de l'habitat. Camouflage et comportement. Les murènes sont excellentes pour se camoufler et se fondre dans leur environnement. Ils se cachent souvent dans des crevasses, des grottes ou des récifs coralliens, utilisant leur corps allongé et leurs motifs de couleur pour rester cachés des proies et des prédateurs. Leur comportement secret et leur capacité à tendre une embuscade à leur proie en font des chasseurs efficaces. L'état de conservation des murènes varie selon les espèces et les régions. Si certaines espèces sont relativement abondantes et ne sont pas actuellement confrontées à des menaces significatives, d'autres peuvent être vulnérables ou menacées en raison de la perte d'habitat, de la surpêche et de la dégradation des écosystèmes des récifs coralliens. Les efforts de conservation se concentrent sur la protection de leurs habitats, la mise en œuvre de pratiques de pêche durable et la sensibilisation à l'importance de la conservation marine. Relation avec les humains. Certaines espèces de murènes peuvent être rencontrées lors de la plongée sous-marine et sont appréciées pour leur beauté et leur comportement unique. Cependant, il est important de l'observateur avec prudence, car certaines murènes peuvent être agressives et mordre si elles se sentent menacées. Il est recommandé de maintenir une distance de sécurité et de respecter leur habitat naturel. Les murènes sont des créatures captivantes par leur apparence unique, leur stratégie de chasse et leur importance écologique. Leurs mâchoires spécialisées, leurs morsures venimeuses chez certaines espèces et leur capacité à s'adapter à divers environnements marins en font des sujets d'études fascinants. Il est cependant important de respecter leurs habitats naturels et de les observer à distance sécuritaire pour assurer leur conservation et leur bien-être.